Assalamu alaikum, assalamu alaikum, les éléments. Que la paix de Allah soit sur vous. Bienvenue sur la page Jeune Visionnaire. Bienvenue sur votre page préférée, mesdames et messieurs. Installez-vous confortablement et partagez le live au maximum. On a deux sujets importantissimes à déballer ce soir, inshallah, et nous demandons l'assistance du Saint Esprit tout au long de ce live magnifique. Bienvenue. Ouais, je vais bien, je vais bien, Dieu merci, je vais bien. Je vais bien, grâce à Dieu. Et grâce à vos bénédictions. Alors, chers amis. Oui, dans Sakuruma, on va, on va tousser ce sujet-là tout à l'heure. Nous avons deux sujets très importants. Comme toujours. Vous savez, tous les jours, il y a des nouveaux dossiers en Guinée. Donc, euh, vous partagez au maximum la vidéo. Voilà, il est 22h11 ici à Paris. Certainement, 20h11 à Conakry. Alors, chers amis, compagnons de lutte, compatriotes, vous savez, depuis le 5 septembre 2021, nous sommes avec l'armée à la tête de l'État, les militaires. Et euh, le colonel Mamadi Doumbouya a pris ses, ses courage à bras le corps et a nommé M. Dan Sakuruma comme président de la transition. Ça fait beaucoup de bruit. Moi-même, je suis sorti. J'ai fait un live là-dessus essayer de sensibiliser les gens et essayer de faire comprendre aux gens le pourquoi et comment nous allons ou comment nous devons accueillir la nouvelle. Je sais bien, ça ne plaît pas à tout le monde. Mais vous savez, nous ne sommes pas tous dans la même logique. Et nous, en tant qu'hommes de médias, nous, en tant que le quatrième, le cinquième, le sixième pouvoir, de toutes les républiques aujourd'hui. Nous avons comme devoir de venir devant vous et de donner nos points de vue. Maintenant, c'est à vous de les prendre ou à les laisser. Monsieur docteur Dansa Kourma, président du CNT, Conseil national de transition, déclare, je cite, Les nouvelles autorités font mieux que le régime précédent. Oui, c'est ce qu'il dit. Les nouvelles autorités font mieux que le régime précédent, c'est-à-dire le régime déçu d'Alpha Conde, le régime sanguinaire. Qu'est-ce que ça veut dire, les nouvelles autorités? Les autorités, aujourd'hui, en place, à la tête, colonel Madi Dumbuya et Mohamed Beyavogui comme président, font mieux que le régime précédent. Ça veut dire quoi? Ça veut dire beaucoup de choses. Je sais que <coughs> la tête de Dan Sakuruma ne plaît pas aux Guinéens, ou du moins à une partie du peuple de Guinée. Je sais qu'on l'en veut, d'avoir fermé les yeux sur le troisième mandat d'Alpha Condé en tant qu'homme de parole, en tant qu'homme écouté. En tant que, c'est-à-dire d'avoir été un élément participatif, effectivement. Un élément qui a cautionné, certainement. Le troisième mandat d'Alpha Condé. Pour ce fait, il est reproché aujourd'hui. On le reproche à un bon nombre de sauges. Et puis, quelque part, ça nuit aussi à sa crédibilité. Mais vous savez, comme disait quelqu'un que tout homme est perfectible jusqu'à l'infini et que toute intelligence peut servir dans des conditions aussi négatives que positives. Alors. Si tout homme est perfectible jusqu'à l'infini, ça veut dire que tout homme est changeable jusqu'à l'infini. Si toute intelligence peut servir dans des conditions aussi négatives que positives, ça veut dire tout simplement que la conscience qui a été négative hier peut être positive aujourd'hui et peut servir la bonne cause. La conscience qui a aussi été positive hier peut être aujourd'hui une conscience négative et desservir la cause nationale. Donc... Si Dansa, sous le régime d'Alpha Condé, avait une conscience négative, cela ne veut pas dire que la conscience de Dansa d'aujourd'hui, forcément, doit avoir une conscience aussi négative. Non. La conscience négative sous le régime d'Alpha Condé peut devenir la conscience positive sous le régime colonel Mamadi Doumbouya. C'est pourquoi on dit que toute tout homme est perfectible jusqu'à l'infini et que toute intelligence peut servir dans des conditions aussi négatives que positives. Certainement. Nous avons un nouveau danseur avec une autre vision. Nous avons un nouveau danseur sous un régime à la tête, quelqu'un qui a une autre vision outre que celle d'Alpha Condé. En l'occurrence, le colonel Mamadi Doumbouya. Quand dans sa m'a dit que les nouvelles autorités d'aujourd'hui font mieux que le régime précédent, il a parfaitement raison. Si les nouvelles autorités d'aujourd'hui ne faisaient pas mieux qu'Alpha Condé, on se serait posé la question de savoir quel a été alors le but du coup d'État. Si le colonel Mamadi Dumbuya, le gouvernement Mohamed Beavogui, ne s'était pas Impliqué dans le faire mieux que le régime précédent, on se serait posé la question de savoir pourquoi ils ont délogé Alpha Condé. Si le régime d'aujourd'hui, si les nouvelles autorités d'aujourd'hui, si les, nouvelles, les autorités d'aujourd'hui faisaient moyen que le régime précédent, le peuple de Guinée devrait se lever et chasser ses militaires à la tête de l'État. Bien évidemment, je suis parfaitement d'accord avec Dansa Kourma sur ce point. Et donc je développe. Les nouvelles autorités d'aujourd'hui font mieux que le régime précédent. D'abord, le simple fait qu'un individu ait pris la décision qu'un individu ait pris le courage, son courage à bras le corps qu'un individu ait pris effectivement cette très grande décision, à aller déloger quelqu'un qui ne sert pas la cause nationale, ça c'est d'abord un esprit de changement. Ça, c'est faire mieux. Alors, après avoir délogé, c'est lui qui desservait la cause nationale, à l'occurrence Alpha Condé et son régime moribond, criminel et assassin. Le colonel téméraire, il a formé un gouvernement. En ce gouvernement, il a inculqué les valeurs du coup d'État. Ça, c'est quelque chose de très positif. Les valeurs du coup d'État, c'est quoi la discipline, la rigueur, le travail. C'est le pourquoi vous avez constaté, euh, après la nomination du gouvernement, le voyage de ce même gouvernement vers Fourikaria allait effectivement au camp d'entraînement des forces spéciales. C'était dans le but de les inculquer les disciplines militaires. Quels militaires Les disciplines des forces spéciales. La discipline, la rigueur, la décision et la... Dé C'est-à-dire, le sens patriotique qui les a poussés à prendre Alpha Condé et à déléger. est allé les léger. C'est cette valeur que les militaires, les forces spéciales, le colonel Mamadi Doumbouya a voulu inculquer à ce gouvernement. Et donc, en esprit de changement. Et après avoir composé le gouvernement, qu'est-ce qu'il a fait Il a mis en place... CRIEF, cours de répression des infractions économiques et financières. Oui, cours spécial avec un procureur spécial. Aujourd'hui, nous sommes face à des nouvelles choses. Des choses que les Guinéens n'ont jamais connues depuis l'existence de la Guinée. Oui. L'arrestation des ministres, des anciens ministres, pour qu'ils viennent s'expliquer comment ils ont géré l'État, comment ils ont géré les finances, comment ils ont géré la chose publique. Ça, c'est quelque chose à saluer. Et ça, le régime précédent a été incapable de faire. Il faut saluer cela. Ça, c'est très important. Quand dans sa dit les nouvelles autorités font mieux que le régime précédent, alors on peut effectivement comprendre. Dans le sens où les nouvelles autorités sont en train d'apporter la lumière sur tous les dossiers sombres de la République de Guinée. Ne serait-ce que ça, ce seul travail, ça, c'est-à-dire, ça, ça dépasse tout ce que Alpha Condé a fait durant ces onze dernières années. Qu'on le veuille ou pas, c'est une évidence, c'est une réalité, c'est une vérité absolue. Oui. Ça, c'est très vrai. Et deuxièmement, depuis l'arrivée du colonel Omadi Doumbouya jusqu'à aujourd'hui, il a nommé des cadres. Il les a limogés. Il y en a qui ont fait trois mois. Il y en a qui ont fait euh, 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 quatre mois. Il y en a qui ont fait cinq mois. Il y en a, ils n'ont même pas fait assez de temps. Pourquoi Pour des faits de détournement. Pour des faits de faux et usage de faux, pour des faits d'escroquerie, pour des faits de faux en écriture, pour de, pour des faits de corruption. Et il s'est pas contenté de les de les limoger. Après avoir les limogés, il y a une poursuite judiciaire. Ces gens font face à font fait, ces gens là font face à la justice. Ça c'est quelque chose à saluer. On n'a pas vu cela sous le régime de Lansana Conté. On n'a pas vu cela sous le régime d'Alpha Condé. Alpha Condé a limogé combien de ministres Il a changé combien de ministres Est-ce qu'on a fait l'audit à titre posthume de ces ministres pour savoir comment ils ont géré la chose publique Non, Lansana ne l'a pas fait. Alpha Condé ne l'a pas fait. Ça, c'est l'esprit de discipline. L'esprit de justice et l'esprit de rigueur. L'esprit de vérité, l'esprit de clarté et l'esprit de lumière sur la gouvernance. Ça, c'est quelque chose à saluer. Sur ce point, les nouvelles autorités font mieux que le régime précédent. Bien évidemment. C'est aussi le rôle principal de ce régime exceptionnel. Vous savez, j'ai souvent comparé le colonel Mamadi Dumbuya, l'avènement du CNRD en Guinée, à l'avènement de Jules César dans la Rome antique, c'est-à-dire dans les années 40 avant la naissance de Jésus, c'est-à-dire avant l'ère Jésus, avant Jésus lui-même, dans les années 40. Vous savez, Jules César, c'est l'homme le plus cité dans l'histoire romaine, c'est-à-dire que grâce à Jules César, grâce à l'avènement de Jules César, la Rome antique est devenue Rome antique. Jules César a été, si vous voulez, le véritable fondateur des institutions romaines. Il a fait beaucoup de choses, des travaux colossaux. Il a été le véritable pilier de la refondation de la Rome antique. Après avoir effectivement se débarrassé de l'armée des hommes de Pompée. Pompée qui a été effectivement euh, décapité euh, dans l'Égypte antique. Il est venu, il a remanié tout. Jeu César. Il a remanié tout. Tout, 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 tout. tout, tout. Il a entamé des travaux colossaux. Bien évidemment. C'est pourquoi je compare souvent l'avènement du colonel Mamadi Dumbuya à ce jeu de César. Alors, le colonel on m'a dit Dumbuya doit s'inscrire dans cette logique. Je suis venu, j'ai pris le courage, j'ai délogé quelqu'un en disant qu'il fait mal, ce qui doit être bien fait pour que ce pays sorte de l'ornière. Et là, moi, je dois faire le triple dans un laps de temps. C'est le devoir du colonel. Oui. Et donc, comme a fait Jules César. Après avoir se débarrassé de l'armée de Pompée et de Cassius, effectivement, après avoir s'installé dans cette Rome antique, vous savez bien, il s'est autoproclamé le dictateur de la Rome pendant dix ans. Et il prenait les décisions, il les exécutait. Oui. Demandez à tous les grands historiens, ils vous diront effectivement que Jules César, c'est-à-dire, il a été le véritable homme du Rome, de la Rome antique. C'est pourquoi je le compare souvent, je compare souvent le colonel Mamadou Doumbouya à ce monsieur, à ce grand homme de la Rome antique. Le colonel Mamadou Doumbouya, aujourd'hui le régime en place doit faire le triple de ce qu'Alpha Condé a fait pour que les Guinéens se disent demain ou après-demain, oui, le colonel n'a pas délogé Alpha Condé pour rien. Le colonel ne s'est pas débarrassé du régime moribond d'Alpha Condé pour rien. Et après avoir se débarrassé du régime d'Alpha Condé, voilà ce qu'il a fait, voilà ce qu'il a fait, voilà ce qu'il a fait, voilà ce qu'il a, voilà qu a fait, dans un laps de temps. Et c'est lui évidemment qui doit prendre les décisions les décisions aujourd'hui administratives importantes et assumées, effectivement. C'est le colonel qui doit le faire. Il est neutre. Il n'est pas politique, ni rien, il n'est pas militant d'un parti politique, c'est un militaire. Alors, il doit prendre les décisions fortes administratives et il doit les exécuter. Des décisions fortes allant dans le sens du progrès du développement, allant dans le sens de la stabilité de la République de Guinée. Oui, ces décisions, il doit les prendre. Pas des décisions à se faire plaisir. Non. Pas des décisions à se faire plaire. Non. Mais des décisions réelles, concrètes et travaillées dans le concret. Donc, dans sa en disant que les nouvelles autorités d'aujourd'hui font mieux que le régime précédent parfaitement il a raison et d'ailleurs monsieur Dan Sakourouman je vais vous dire quelque chose vous pensez quoi vous pensez qu'on s'attendait au contraire non <laughs> ne poussez pas au peuple ou ne poussez pas le peuple de Guinée à s'attendre au contraire si effectivement le peuple de Guinée s'attend au, au contraire ça veut dire que ni et le colonel, et le peuple, nous qui avons applaudi le colonel, nous avons échoué, nous avons trahi Alpha Condé, nous n'avons pas eu raison d'Alpha Condé. Oui, Monsieur Dansa ce sont les conseils que vous devez promulguer au, au colonel Madi Doumbouya. Vous devrez le dire matin, midi, soir, colonel, il faut donner un sens positif, un véritable sens positif à ce coup. <laughs> on n'est pas là pour se faire plaire, on est là pour prendre les décisions importantes allant dans le sens du progrès de, 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 de l'émergence de ce peuple, les décisions importantes qui puissent nous permettre le, de sortir ce pays de l'ornière vers la lumière parfaite. Eh oui, effectivement. <laughs> Monsieur Dan Sakuruma, président de, de l'hémicycle actuel, c'est ce que vous devez dire au colonel. Il ne s'agit pas d'affirmer seulement que les nouvelles autorités d'aujourd'hui font mieux. Vous êtes obligés, vous êtes acculés à faire mieux. C'est le sens même du coup d'État. Parce que quand le colonel est venu, son premier discours, il a parlé de corruption, de détournement, il a parlé d'instrumentalisation de la justice, il a parlé de, de gabégie financière, il a parlé euh, de trafic d'influence, il a parlé des mots dont souffre la République de Guinée. Ça veut dire quoi Moi, le colonel, je viendrai mettre fin à tout cela et je vais transformer ces véritables mots dont souffre la Guinée à des mots positives qui permettront effectivement au peuple de Guinée de s'en sortir. Voilà, colonel Omadi Doumbouya. C'est le sens de votre coup d'État. Alpha-Condé ne doit pas avoir raison sur vous. Oui. Parce que si, après cette transition, après ces trois mois, après ces trois ans, trois mois, le peuple de Guinée ne voit pas de contraire, mais écoutez, euh, je sais que dorénavant, euh, vous aurez toutes les difficultés du monde entier pour entrer en Guinée. Parce que c'est le peuple lui-même qui va vous lapider. On dira que, ah non, lui c'est un ivrogne. Oh non, lui c'est un simple drogué. Oh non, lui c'est. Il, il est venu déloger Alpha Condé pour rien. Pour rien. Ouais? Il s'est débarrassé Alpha Condé pour rien. Qu'est-ce qu'il a fait? C'est pourquoi, colonel, monsieur Dansa Kourouma, vous devez pousser le colonel, Mamadi Doumbia, à redoubler d'efforts est à faire encore mieux, encore mieux, encore mieux. Il doit faire l'impossible. Comme lui-même a dit, nous allons faire l'impossible pour cette nation. Alors, il doit faire l'impossible pour cette nation. C'est ça le sens du coup d'état. Comme General Lynch a fait. Comme ATT a fait. Le colonel doit faire beaucoup plus mieux. Il doit pousser sa compétence jusqu'à l'extrême. Dans la réfondation de l'état guinéen, dans ce travail de réfondation, il doit pousser ses compétences jusqu'à l'extrême. Oui. Monsieur Dansa ce c'est que vous avez dit, c'est vrai. Mais vous devez aussi savoir qu'on ne s'attendait pas au contraire de cela. Aucun guinéen ne s'attend à ce que on dise que le régime d'Alpha Condé était mieux que ce régime d'aujourd'hui. Ça serait une déception totale de notre part. Oui, bien évidemment, ça serait une déception totale. Si vous changez de voiture en disant, la voiture que j'ai achetée, ce n'est pas une bonne voiture, euh, deux ou trois jours, je suis euh, au garage, vous changez de voiture, vous prenez une nouvelle, mais vous vous attendez que la nouvelle soit beaucoup plus mieux que l'ancienne que vous avez, effectivement, jetée à la poubelle. Mais si la nouvelle est plus médiocre que l'ancienne, alors vous n'avez pas raison. Vous n'avez pas eu raison. Naturellement. Alors, M. Dansakourouma, nous les Guinéens conscients, on ne s'attend pas que le colonel Nomadji Doumbouya, les nouvelles autorités d'aujourd'hui, font moyen que le régime précédent. On veut qu'ils fassent plus que le régime précédent. Voilà ma lecture. De cette déclaration de M. Dansa. Et je crois d'ailleurs que vous, les éléments de l'hémicycle guinéen d'aujourd'hui, vous devez encourager le colonel Madi Doumbouya, effectivement, aller dans ce sens. Le gouvernement Mohamed Béavogui doit suivre à la lettre les décisions prises par le colonel et doit effectivement être cohérent dans l'application de ces décisions et afin de satisfaire le peuple. C'est très, très important. Comme le colonel lui-même a dit que. Nous allons faire le sale boulot le sale boulot ce n'est pas faire le travail euh, qui est qui dessert la cause nationale non le sale boulot c'est le faire le, c'est de le faire le boulot exceptionnel le boulot qu'un président civil ne peut pas faire mais qui est utile pour la nation c'est ça le sale boulot le sale boulot aujourd'hui c'est d'arrêter les Kassouris, les Amadou Damaro Kamara, les Oye Gilavogi. C'est d'arrêter les, 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 Zakaria les, les, les Koulibaly. D'accord? C'est d'arrêter aujourd'hui les Bantamasso, les Thibaut Kamara. C'est d'arrêter Alpha Condé. C'est d'interdire Alpha Condé de sortir. Bien évidemment. C'est d'arrêter les Malifi Le sale boulot, c'est ça. Le peuple sait que ces gens-là, ils n'ont pas bien fait. Mais qui va les arrêter Le sale boulot, c'est ça. Colonel, quand il dit nous allons faire le sale boulot, le sale boulot, c'est ça. Ces gens-là méritent d'être jugés. Mais qui a l'audace de les arrêter Le fait de penser, c'est-à-dire le simple fait de penser à l'arrestation de ces gens, avant même de les arrêter, le simple fait de penser... À l'arrestation de ces gens, il faut être téméraire, il faut avoir le courage, il faut être sûr de soi. Ce sont des décisions importantes à appli appliquer. Au début, on a pensé que c'était du pipeau, que ça n'avait pas de valeur, que non, le colonel, <laughs> il veut juste du populisme, il veut juste euh, gagner de crédibilité aux yeux du peuple. Mais, ça fait combien, combien de mois aujourd'hui les cassouris sont arrêtés Je crois bien, ça fait un mois. Ils sont en prison. Tous les bruits qu'on faisait, oh non, on va faire ceci. Qui a fait quoi Personne. Ces gens y croupissent encore en prison. Qui pouvait penser qu'on qu 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 pourrait arrêter un Mohamed Jane Personne. C'est ça le sale boulot. Oui, c'est ça le sale boulot. Et les sale boulots comme ça, ça reste encore à faire. Évidemment. Parce que les directeurs généraux seront emprisonnés, les DAF seront emprisonnés. Les préfets seront en prison. Les sous-préfets seront en prison. Les recteurs seront en prison. Les directeurs d'école seront en prison. Les généraux de l'armée, de la police, de la gendarmerie, de la douane seront en prison. C'est ça le sale boulot. On va pas les arrêter parce qu'on a envie de les arrêter. Non. Mais tous ceux qui ont fait le mal à la Guinée, tous ceux qui ont détourné de l'argent en République de Guinée, ils seront arrêtés. C'est ça le sale boulot tous ceux qui ont des maisons construites sur les domaines de l'état on s'en fout que vous êtes ancien premier ministre on s'en fout que vous êtes ancien directeur on va casser c'est ça le sale boulot parce que vous ne méritez pas mieux que monsieur Kanté vous ne méritez pas, vous ne méritez pas mieux que Fatmata Tajalo quelque part vous ne méritez pas mieux que euh, euh, Toba quelque part vous ne méritez pas mieux que euh, Fanta Kaba vous ne méritez pas mieux que euh, 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 la femme qui fait de la mendicité sous le pont de 8 novembre. Non. C'est ça, le sale boulot. Oui. C'est ça, le sale boulot. C'est pour montrer aux Guinéens que nous sommes tous égaux face à la loi. Donc, <laughs> on s'attend mieux. Colonel, vous n'avez encore rien fait. Dansa Kuruma, son excellence, docteur Dansa Kuruma, dites au colonel Amadi Doumbouya. Que nous les Guinéens, on n'a encore rien vu. Ce qu'il a fait là, c'est peu. On veut encore plus. Positivement. On veut encore plus. On est assoiffé. Oui, Monsieur Mohamed Beavogui, vous le Premier ministre, dites à votre président, à notre président, que nous, là, nous les Guinéens, nous les jeunes Guinéens, la révolutionnaire, qu'on est, c'est à dire, pour nous là, il n'a encore rien fait dans le sale boulot qu'il a, qu a, qu a, qu a, qu a annoncé là. Pour nous, il n'a encore rien fait. Oui! Il doit encore faire plus! Comme ça, d'ici la fin de la transition, au moins qu'on se dise, ah non, ce gars, tout ce qu'il disait, c'était pas de la blague, c'était de la réalité. Qu'on soit satisfait, nous les Guinéens. Qu'on soit satisfait au moins à 30%. Parce qu'il faut que le colonel comprenne. Depuis son arrivée jusqu'aujourd'hui, on est satisfait à 5%. Hein. Juste 5%. Juste 5%. C'est pourquoi il doit redoubler d'efforts. Chaque jour que Dieu fait, lui, il doit, il doit redoubler d'efforts. Il doit prendre des décisions importantes. Il ne doit même pas dormir. Parce que nous voulons être satisfaits de lui à 30%. 30% seulement. Parce que nous sommes à 5%. Oui. Arrêtez les casseries, les Mohamed Djané, tout ça. Oui, tout ça là est dans le 5%. Là. Le jour qu'on va arrêter Alpha Condé, traduire. Euh, à la maison centrale, qu'on va arrêter les malifiants d'yannées, qu'on va arrêter tous ces autres-là, les envoyer à la maison centrale, le colonel va, il ira de 5% de satisfaction à 15%. C'est-à-dire, nous, les Guinéens, nous deviendrons satisfaits 15% du colonel Amadi Dumbuya. Vous comprenez? Voilà. Et de 15%, tout ce qu'il a annoncé comme chronogramme de la transition, qu'il le fasse très bien, qu'il lave très bien les fichiers électoraux, tout ça, tout ça, tout ça, les élections communales, législatives, présidentielles, qu'il les fasse très bien, là, on peut dire que oui, on est satisfait de lui à 30%. 30%, parce qu'on ne sera pas satisfait de lui. Car même 40%, non, non, c'est trop haut. La satisfaction du peuple, le peuple, c'est comme un enfant. Nous sommes animés par le sentiment d'enfant. L'enfant pense qu'il a toujours raison. L'enfant n'a jamais tort. Vous comprenez Et l'enfant, il veut tout. Quand vous donnez, quand vous donnez quelque chose, c'est-à-dire vous prenez par exemple un biscuit, vous donnez la moitié à l'enfant, non. Lui, il veut tout. Le peuple, le, le peuple veut tout. Le peuple est animé par un sentiment d'enfant. Donc, colonel, on m'a vous devez comprendre que nous sommes animés par un sentiment d'enfant. Nous sommes l'enfant. Vous devez nous satisfaire. Nous voulons tout. Pas à moitié, mais tout. <laughs> Alors, docteur Dansa Koloma, je crois que vous devez encore redoubler d'efforts. Et euh, oui, c'est vrai, ils font mieux. Oui, c'est vrai. Mais encore mieux. Encore, encore, encore mieux. Haut, oh, placez la barre très haut. Ça fera du bien au peuple. Alors, chers frères, vous savez... La Guinée est un pays exceptionnel. Je vais vous dire pourquoi. La corruption, le vol, la tricherie, le détournement des deniers publics, c'est dans les veines des cadres guinéens. Veines des cadres guinéens. Excusez-moi de l'expression, mais je crois que moi je peux le dire. Alpha Condé n'était pas certainement la personne la mieux placée pour la dire, cette expression que je vais maintenant réitérer. Alpha Condé n'était pas la personne la mieux placée et le lieu où il s'est arrêté pour dire c'était pas le bon lieu, c'était pas le bon moment d'affirmer une telle chose. Mais je crois que avec le recul, je donne raison à Alpha Condé. En affirmant ça, je donne raison. Vous savez, dans l'un des discours emblématiques d'Alpha Condé, là où il fait sa prémonition là, avant même le 5 septembre, après son coup d'état constitutionnel, Alpha Condé a déclaré, je cite: Les Guinéens n'ont pas Honte, ils ont peur. Ce jour-là, moi-même, j'ai fait un live sur lui où je l'ai critiqué fermement en disant qu'il a insulté les Guinéens. Mais je dois être honnête envers vous. Avec le recul, j'ai compris le véritable sens de cette phrase-là. Certainement, Alpha Condé, en tant que président, il ne doit pas le dire parce que ça va être considéré comme des injures. Nous, le peuple, nous pouvons dire Oh, certainement, le, le, le lieu n'était pas approprié. Il s'arrêtait devant un public international et national pour faire une telle déclaration. Certainement, c'était pas le lieu n'était pas approprié, n'était pas, c'était pas un lieu propice. Vous voyez, Monsieur Docteur Faudé sissé qui était à la caisse, il était, voilà. C'était le directeur général, effectivement, de la Caisse nationale de prévoyance sociale. Le monsieur, il a été nommé par le colonel Mamadi Dumbuya. Entre sa nomination, le décret de sa nomination et le décret de son limogeage, il y a eu, si je ne me trompe pas de calcul, il y a eu six mois. Six mois. Six bons mois. On suffit à ce monsieur, à ce monsieur. Attendez. Six bons mois ont suffit à ce monsieur de se livrer à des actes de détournement de denier public, de faux et usage de faux et de faux en écriture. Six mois. Donc, on se dit vous êtes nommé par le colonel. Il a placé sa confiance en vous. Il vous a nommé là vous voyez que c'est un militaire qui est venu déloger les civils pour des causes de détournement de deniers publics, de faux et usage de faux, d'instrumentalisation de la justice. Vous, on vous nomme, on vous porte confiance, on vous nomme. Et puis, de votre nomination jusqu'à votre limousage, vous vous étiez livré à des actes que le colonel lui-même combat. Ça veut dire que vous vous foutez du colonel. Vous vous foutez de son coup du 5 septembre. Vous vous foutez des, des, des soldats qui sont tombés du côté du colonel, du côté de la garde présidentielle du 5 septembre. Vous vous foutez de la détermination du colonel Oumadji Doumbouya. Vous n'avez pas honte, mais vous avez peur. Vous vous êtes dit, de toutes les façons, moi je vais le faire, je ne suis pas le seul. Monsieur arrêtez de m'appeler s'il vous plaît. Mais il faut décider. Il faut quand même être une personne très audacieuse. Pendant qu'on est en train de combattre les corrupteurs, pendant qu'on est en train de poursuivre les corrupteurs, les voleurs de la République, vous vous livrez à des actes de vol. C'était quoi votre projet vous l'avez fait, pourquoi? Vous vous êtes certainement dit, non, il ne peut pas comprendre. Vous avez certainement pensé que vous êtes plus malin que tous les autres. Et vous vous êtes dit, non, moi, je vais le faire de toutes les façons. La transition, c'est pour, c'est, la transition est faite pour se remplir. Celle-là, vous vous trompez. Parce que, il faut dire haut et fort. Les gens qui ont géré la transition de Dadis Kamara, de Sekuba Konate, ces gens se sont remplis la poche. Ils ont volé. Ils se sont fait des thunes. Et après, on n'a pas fait d'audit à titre posthume. Vous avez pensé que cette transition était à l'image de celle de Davis et de Sekouba Vous avez eu tort. Et aujourd'hui, vous devez faire face à la justice. Vous irez en prison. On vous dit de gérer la chose publique. Vous dites cette chose publique-là, je m'en fous, moi je vais me mettre dans ma poche. Quelle humiliation. Et qu'est-ce que vos enfants diront Qu'est-ce que votre femme dira Qu'est-ce que votre famille dira Qu'est-ce que vos proches diront Ah, je comprends. Ils diront, non, c'est un règlement de compte. Parce que c'est toujours comme ça. Quand on met un parent on est content. Et quand on l'enlève, on dit non, c'est de l'injustice, c'est de l'illégalité, on est allé le dénoncer, il y a des gens qui ne l'aimaient pas, ah, c'est la Guinée, on est habitué à cela. Non. Soyez objectif. Et comprenez effectivement ce que votre parent en fait en tant que responsable d'un poste au placé de l'administration guinéenne. Soyez objectif dans vos analyses, vous allez comprendre. C'est aussi ça. Alors. Tous ceux qui sont aujourd'hui dans ce même état d'esprit que Faux décissé, docteur Faux des vous devez comprendre que vous serez limogé et vous serez effectivement traduit devant la juridiction guinéenne, vous irez en prison. Parce que c'est vous, vous voulez faire échouer le colonel Madi Djumbuya, c'est vous, vous voulez salir cette transition. Pendant qu'on est en train d'annoncer partout que la caisse, euh, ok, la banque centrale, euh, l'économie guinéenne se porte bien, on a assez d'argent, on va faire des trucs de... Vous, vous dites non. Euh, cette affirmation-là, c'est un crachat que vous allez ravaler. Quand vous dites qu'il y a assez d'argent dans la caisse en Guinée, ok, nous, nous allons vider cette caisse-là. C'est quelque chose comme ça. Bien évidemment. Le colonel est venu à la tête de la République de Guinée. Il y a quelle institution financière internationale qui a apporté son aide Qui a donné de l'argent à la Guinée N'est-ce pas, il est en train de se démerder avec les comptes particuliers remplis de ses anciens ministrions d'Alpha Condé Il est en train de regrouper aujourd'hui. Il est en train de rembourser les dettes intérieures et les dettes extérieures de la Guinée. Petit à petit, la Guinée économiquement se porte bien. Même si effectivement cette économie, on ne sent pas encore les conséquences positives sur la quotidiennité des Guinéens, mais ça commence à aller. Si hier on gaspillait de l'argent, l'argent sortait de gauche à droite, on gaspillait. Aujourd'hui on ne gaspille plus l'argent. Le peuple de Guinée dit aujourd'hui qu'on ne voit pas l'argent dans les rues. Bien évidemment, l'argent n'est pas fait pour, pour qu'on le voie dans les rues. L'argent, c'est quelque chose qui est très précieux. Et vous, vous vous dites, moi je suis malin que le colonel. Je suis malin que Mohamed Berbagi, je suis malin que tout le monde et je dois voler. C'est quand même dommage. Pourquoi faudrait-il que le Guinéen vole quand il occupe un poste de responsabilité Pourquoi le Guinéen doit toujours considérer l'administration, la chose publique comme si c'était une chose particulière qui appartenait à un particulier Pourquoi Pourquoi on ne peut pas être digne en travaillant honnêtement. À, à, C'est-à-dire à gérer honnêtement la chose qui appartient à toute la République de Guinée. Pourquoi on ne peut pas le faire? Et quand on vous, vous limoge, vous criez au, au scandale. Pourtant, vous savez que c'est vrai, c'est fondé. Bien sûr. Chers frères, c'est un combat de longue haleine. Le colonel a commencé. Je crois que petit à petit, de président, de, de bon président en bon président, de président patriote en, bon, en président patriote, la Guinée va retrouver effectivement sa grandeur. La Guinée va retrouver son exemplarité, sa splendeur. Prions pour que le président qui sera élu après le colonel Nomadi Doumbouya soit dans le même, soit, soit, Effectivement, dans le même état d'esprit que le colonel Madi Doumbouya. Et prions aussi que, c'est lui qui viendra après ce président civil qui viendra après le colonel Mamadi Doumbouya, qu'ils soient tous dans un même état d'esprit patriotique, qu'ils pensent à l'intérêt supérieur de la nation avant leur intérêt particulier. Sur ce, je vous dis bonsoir. À demain. Vous partagerez au maximum la vidéo. Et de passage, dites à M. Macandera que je le salue. Vous savez, c'est un grand intellectuel, c'est un grand pasteur, c'est un grand imam, c'est un homme de culture très très instruit, très élevé. Et je le dis tout simplement de garder son sang-froid de, de, de son énergie euh, pour euh, le jour qu'on va. La justice aura besoin de lui pour qu'il vienne expliquer. Ce n'est pas sur les réseaux sociaux comme nous autres. Lui, cadre, qui a été ministre de l'Information, qui doit se justifier. Ce n'est pas devant nous, il doit se justifier. Le peuple est représenté par des institutions. Ces institutions sont mises en place pour le, pour le peuple, et c'est ce, devant ces institutions de la République que tous les enfants de la République qui ont mal géré ou qui sont reprochés de quelque chose doivent effectivement se justifier. Mais c'est pas nous. Vous comprenez Donc dites à M. Macanera de garder bien son énergie. Le jour viendra où ça va saliver, ou lui-même il va parler, il va sortir tous les grands versets du courant, et tous les grands versets de la Bible, il va consulter les ancêtres, Anémis, il aura tous les arguments à mettre sur place. Mais le temps encore n'est pas venu, parce que on sait comment ça s'est passé, on est témoin de tout. Donc sur ce, je vous dis bonsoir, je vous aime, je vous adore, et maximum de partage, à demain. Bye bye. Wassalam.